Que faites-vous le 30 novembre? Rien, et bien plus maintenant, car vous avez rendez-vous avec nous pour l'élection de Miss Union Africaine et je sais que vous allez être au rendez-vous. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec deux très ravissantes filles. Elles sont juste à côté de moi. Salut les filles. Salut. Alors, j'ai Charismata à côté de moi. De quel pays viens-tu? Je représente l'Angola. Alors, première question, pas trop stressée? Non, ça va. D'accord. Alors, que représente une Miss pour toi? Pour moi, une Miss, c'est l'ambassadrice des femmes. Une Miss, elle doit représenter toutes les qualités qu'une femme doit avoir. Donc, le naturel, la beauté, l'intelligence. Une Miss doit être généreuse. Donc, voilà. D'accord. Donc, qui dit intelligence, dit forcément projet. Tu as forcément un petit projet pour nous. Oui. Bah, mon projet, c'est de créer un centre d'insertion pour les personnes infirmes en Afrique. D'accord. Pour les aider dans leur milieu professionnel, à trouver un emploi. Et puis, voilà. Belle et intelligente. Très beau projet. Bonne chance. Ben merci. Alors, nous accueillons aussi une très jolie fille qui s'appelle Meymouna. De quel pays viens-tu? Alors, bonjour, je viens du Tchad. Je crois que enchantée. Alors, première question, pas trop stressée? Non. C'est sûr? Oui. Ok. Pourquoi t'es-tu présentée à cette élection? Alors, tout d'abord, pour représenter la femme africaine au niveau culturel et intellectuel, pour dire qu'une femme africaine, c'est pas seulement la femme qui doit être à la maison, faire à manger, mais plus que ça. Une femme africaine, c'est une femme intelligente et belle. D'accord, super. Belle, tu l'es, intelligente, je pense aussi. Merci. Quels sont tes objectifs? Pour moi, si je gagne l'élection Miss Union africaine, je souhaiterais créer des centres d'écoute au Tchad et partout en Afrique afin de renforcer la paix entre les jeunes Africains. Voilà, c'est ça l'Afrique. Elles sont belles, elles sont intelligentes et plein d'objectifs. Merci et à très bientôt. Bye.